Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager mes créations que j'ai réalisées pour le concours dans les ateliers de Brigitte. Donc Brigitte, si tu passes par là, je te fais d'énormes gros bisous. Et bien sûr, à ce jour, tu as reçu donc ma participation. Donc voilà, je voulais tout simplement vous partager tout ce que je lui ai réalisé pour son concours. Et voilà, et je vous invite tous et toutes à aller visionner sa chaîne. Elle fait juste des choses superbes, c'est une belle personne, adorable. Et puis voilà, de toujours de bonne humeur et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Donc vraiment, je vous invite et si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous montre ce que je vais réaliser. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, donc on va commencer déjà par la carte. Donc voici comment elle se présente. Donc je l'ai mis dans une petite enveloppe comme ceci. Donc là c'est le numéro 1. Voilà. Donc voici ma création. Donc c'est une carte comme ceci. Et là je suis venue donc tout simplement voilà, couper une bande de papier dans un des blocs de chez Action. Voilà. Et je suis venue, vous voyez, vous avez tout plein de découpes comme ceci. Donc je me suis servi des ciseaux, vous savez, pour normalement pour les herbes. Et là, ben voilà, pour le coup, j'ai fait des petites franges. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ben, je suis venue avec mettre des drops aussi. Donc bien sûr, des fleurs, des feuillages. Et là, avec mon petit sentiment, s'épanouir à chaque saison de la vie. Voilà. Et un petit nœud, j'ai fait un tout petit nœud ici, le petit papillon. Et puis bon, bah, quand on ouvre la carte, voilà, il y aura mon petit mot qu'elle découvrira. Donc voilà pour ma carte. Ensuite, je l'ai laissé comme ça, voilà, juste comme ça. Ensuite, toujours dans une enveloppe numérotée, donc numéro 2, elle avait demandé de faire, donc sur le thème printanier, donc printemps, un kiss. Donc voici mon kiss, ma carte kiss. Et toujours voilà, je suis restée toujours dans le même thème, voilà, des fleurs, tout ça. Et donc là je lui ai noté félicitations pour tes 500 abonnés. Et là pareil, je suis venue mettre une bande, enfin voilà, j'ai fait j'ai essayé de voilà, de j'ai fait la même chose. Voilà. Et puis là, j'ai mis aussi un petit nœud, un petit ruban, voilà, dans les couleurs Parme. Voilà, avec ses fleurs, ses feuillages, et puis ses petits drops aussi, pour rappeler bah, ma carte aussi. Donc voilà, et là, pour le coup, je vais vous montrer, donc, au dos, hop, voilà, c'est vite fait. Donc, au dos, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, j'ai des cartes, ce genre de cartes comme ceci. Donc, voilà, pour venir, donc, écrire, voilà, pour envoyer, alors, c'est une carte postale. Là, je suis venue mettre donc mon adresse et ensuite ici tous mes renseignements. Puis là, elle n'aura plus qu'à mettre donc son timbre. Donc à la base, c'est des cartes vierges comme ça, des cartes postales comme ceci. Et excusez-moi, je perds ma voix. Et donc, en général, bon, bah, on vient soit coller des photos de vacances ou voilà, si on a une petite imprimante. Les petites imprimantes, vous savez. Et puis souvent, bah, moi, quand je suis en vacances, j'envoie des petites photos comme ça justement pour voilà, je les imprime et puis je les colle et tout. Et puis quand je suis avec ma petite fille et tout, quand on est en vacances et qu'on doit envoyer des cartes postales, et ben voilà, on montre un petit peu où on se trouve et puis voilà, des petites photos, enfin voilà, des photos de des souvenirs de vacances. Et puis voilà, on avec ma chouquette, on les avait collées et on avait fait pas mal de choses et tout. Et puis elle avait fait un petit dessin, et puis on a mis voilà, des photos, et puis après on l'a envoyé, et voilà, c'est toujours, voilà. J'avais trouvé ça, je ne sais plus où d'ailleurs, il faudrait que je ne me rappelle plus. Et j'avais acheté bah, un paquet complet en fait, alors mais je ne pourrais pas vous dire où, attendez, je l'ai là. Ah oui, c'est Gribouille Art, alors... je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça. J'ai dû trouver ça dans un salon. Certainement dans un salon. Ouais. Ouais, certainement. Mais ça date, hein, ça fait longtemps. Et puis, bah voilà, chaque fois que je pars en vacances, j'en prends quelques-unes comme ça. Et puis, voilà. On envoie ça un petit peu pour la famille. Et donc, pour le coup, bah voilà, j'ai eu l'idée de venir tout simplement, hop, vous montrer le coller juste
comme ceci. Voilà. Alors, bon, il m'en reste ouais, pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photocopies. Et puis, voilà. Et puis, je m'en servirai par la suite pour faire d'autres kits. Voilà. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de trouver ce genre de truc si ça existe sur, sur Internet. Voilà, faire des recherches et puis après les photocopier. Et puis, et voilà, et vous en servir pour les coller derrière vos cartes KISS. Hein, c'est une idée aussi, c'est sympa. Donc, voilà. Donc, voilà mon KISS. Donc, ma deuxième création, je l'ai réalisée. Ensuite, je lui ai réaliser aussi un petit bloc-notes, donc numéro 3, toujours dans une enveloppe, hein. Voilà, comme ceci, voilà, toujours dans le même thème, hein. Là, bah, tout simplement, j'ai mis des scratchs, et puis voilà comment ça se présente, voilà, et alors, je sais pas si vous voyez, j'ai fait un tout petit trou ici, voilà, en forme de fleur, là, pour venir mettre un petit bijou, voilà. Donc là, pour le coup, c'est pas un bijou d'album, ça sera un bijou bloc-notes. Donc voilà. Voilà, donc ma petite création est toujours pareille. Hein. Le papier de chez Action. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc pour mes créations, voilà ce que je lui ai réalisé. Ensuite, je lui ai mis un petit présent, comme ceci. Toujours pareil, le même papier du bloc de chez Action. Un petit scratch et là il y a un petit présent et vous le découvrirez bah, quand vous irez vu voilà visionner sa chaîne voilà donc je vous invite à aller voir donc pour finir voilà je cherche mes mots je lui ai mis aussi donc en numéro 5 voilà un petit présent aussi. Donc, que j'ai fermé, voilà. Et après, je lui ai fait, et voilà, un autre petit présent, donc numéro 6. Voilà. Là, pour le coup, je ne l'ai pas fermé. C'était juste pour vous, voilà. Hop, vous montrer. C'est une petite pochette, comme ceci, avec une petite pression. Voilà. Et vous savez, avec l'appareil. Pour faire des gravures sur du bois, du fer, etc. Je suis venue écrire Brigitte. Et là, elle va pouvoir mettre donc des voilà un stylo, des crayons en papier, ou crayons en bois. Voilà. Donc voilà, une petite pochette comme ça. Donc voilà, c'est pour Brigitte, c'est pour toi. Et alors là, pour le coup, vous voyez, là, c'était ma première, hein, donc voilà, avec l'appareil, j'ai voulu tester sur ça et ça a bien fonctionné. Mais pour le coup, j'ai pas. Vous voyez là, il est trop près du G. Mais pour le coup, ça fait. Ouais, ça fait sympa. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. Et donc, c'est avec, avec l'appareil de chez Action, vous savez, qui vend en ce moment dans sa boîte. D'ailleurs, je sais pas où. Ah si, voilà. Je vais vous montrer. Voilà, avec ce genre d'appareil comme ceci. Voilà. Et avant, il le vendait dans un packaging en plastique, quoi, enfin. Et là, ils le vendent avec sa boîte et tout, avec tout plein d'outils. C'est génial. Tout plein d'embouts. Voilà. Donc, voilà pour ma participation, donc, à son concours. J'espère que toutes mes petites créations vous auront plu et puis ça vous aura donné des petites idées aussi, hein. C'est de partager avec vous, c'est toujours un bonheur et puis en même temps bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye bye.